dois-je en faire pour te plaire, si j'en ai fait trop ou trop peu? Les yeux, l'espace d'un instant, qui t'a suffi pour éclipser. Chaque fois qu'on m'invite quelque part, j'ai plutôt tendance à dire oui. Je suis un adepte du oui plus que du non. Ça m'a fait plaisir de venir et j'encourage tous les festivals de cinéma parce que c'est en allant dans les festivals de cinéma qu'on donne envie aux gens d'aller au cinéma. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les possibilités que les gens ont de voir des films, le seul endroit, c'est la grande salle de cinéma. Voilà, donc j'encourage tous les festivals, et celui-là en particulier, puisque c'est un festival de cinéma. En plus, je crois qu'il y avait un sujet qui tournait autour de la guerre, que j'ai beaucoup tourné en Normandie. Enfin, il y avait un nombre incroyable d'éléments qui faisaient que ça pouvait justifier ma venue ici. C'est un film sur la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un moment important dans le film sur le débarquement, sur le D-Day, le 6 juin 1944. Et donc, j'ai tourné en Normandie cette reconstitution. Donc, je suis très, très attaché à la Normandie. J'ai même fait Un homme et une femme et plein d'autres films en Normandie. Donc, je crois que la Normandie et moi, on est très copains. On est très copains. Ma mère était normande. Elle était née à Caen. Et donc, c'est elle qui m'a fait découvrir ce pays que j'aime beaucoup et qui est si près de Paris, donc c'est très pratique pour un Parisien comme moi. Bon film, bonne projection, et j'espère à l'année prochaine. À bientôt sur tevie.tv.